Manonier, qui après, ils sont de l'UPA également. Et puis, vous, Claire Renaud, adjointe également à la direction de course et donc du directeur de course, Jacques Carraès. Là, expliquez-vous ce que vous avez sur l'écran derrière vous. Donc, c'est la position de la flotte. Vous êtes en lien en permanence avec elle. Oui, c'est un peu la tour de contrôle du Vendée Globe. On a l'écran avec les positions qu'on suit toutes les 30 minutes. Et puis, la ligne rouge, les téléphones sur lesquels les skippers nous appellent. Et ce carnet dans lequel vous avez noté à 2h11, précisément le 1er décembre, Kevin Sauvé, c'est ça, Hubert. Le Canécole, Kevin Sauvé. On va peut-être vous laisser échanger des autocollants parce qu'ils ont été édités, ces stickers. Vous ne savez pas. I love DC. Vous vous rendez compte? Allez, montrez-nous ça, Kevin. Vous allez l'afficher, ce beau sticker I love DC, la direction de course, ici, une fois que vous aurez pu le décoller et le mettre où vous le souhaitez, voilà. Kevin Escoffier, skipper PRB, qui aime la DC, la direction de course. Pour vous montrer, pour finir là-dessus, on va vous montrer la vue également, parce que c'est quand même le plus beau bureau ici au PC Course, celui de la direction de course, et c'est bien normal. Une vue magnifique, et bien sur Port-Olona. Là, Kevin, où arriveront et bien les 27 concurrents avec les bateaux intègres et en pleine forme. Et là où j'aurais bien démarré. Et c'est comme ça, et nous sommes ravis de vous voir ici en chair et en os à nos côtés. Voilà, oui, bien, voilà, Jacques, pour la visite de cet endroit que vous ne connaissiez pas, vous qui nous regardez, la direction de course. Oui, c'est génial, hein, c'est fabuleux, hein, Jacques, de voir Kevin pénétrer dans le sein du sein et de voir un petit peu le contexte, en fait. Hein. Tout à fait, c'est un autre contexte, mais le voir chez nous, c'est forcément un moment aussi pour nous d'échanger, et comme il disait tout à l'heure, de toutes ces expériences-là, en sortir le meilleur et de pouvoir même modifier parfois certaines choses sur les bateaux. Donc, toute expérience est bonne à prendre et Kevin est un bon messager pour ça. Donc, voilà. Faut que tu fasses un petit mot pour le président Macron. Ils ont annoncé qu'il avait le Covid-19. Non. C'est ici aujourd'hui. Ah bien. Appelle-le pour lui remonter le moral. Ah ouais, il m'a pas filé ce temps. Il m'a pas filé sur le 06. Mais bon. Ah non, mais attends. Là, ça, c'est pas parce qu'il a chopé le Covid qui va mourir en ramadan. Ouais, non, j'espère pas. Après, c'est vrai que ça vous fait drôle, en tout cas, de retrouver cette ambiance, ce masque qui est dystopié là. Vous avez changé de monde. Je peux vous assurer que ce soit sur le niveau où c'était une micro-société avec 100 personnes ou avec Jean, on n'avait pas de masque, pas de problème de Covid. Je peux vous assurer que ça nous retire des choses de la tête et bon, on peut penser à ce qui est vraiment important. Parce que c'est vrai que si je veux revenir à terre, la place occupée par cela fait que je pense qu'il y a plein de choses importantes où on n'a pas assez de temps pour y penser. Jacques, avant de souhaiter un bon chemin et une bonne route à Jean Le Gall, est-ce que vous pouvez lui dire un mot? Non, ben Jean, oui, bien sûr, ben, il est carrément dans la course, c'est qu'à la moitié du parcours, donc je suis content que le côté sportif est bien engagé encore, et je pense qu'il y a de belles choses à voir, et c'est pas fini. Bonne route, Jean. Ah ouais, c'est sûr, salut mon Jaco. Merci. À plus dans le bus. Et salut. Merci Jean-Luc. Doucement sur la Cervoise et le Sorbier. Donc, Jean Le Cam en plein banquet. Maintenant, il y a un groupe de trois qui s'était bien détaché ces derniers jours en partant par devant. Mais on voit personne n'est à l'abri de soucis. Et on voit que dès qu'il y a un petit souci, on peut voir les distances en ligne, ça va très très vite. Donc, ça me rappelle un petit peu certaines courses multicoques. Vous verrez que maintenant, les bateaux. Capable de faire des moyennes d'une vingtaine de nœuds, bah, le moindre souci permet de s'intégrer beaucoup, mais on verra aussi très vite. D'un mot, ça va encore changer, il va se passer encore beaucoup.